Bien décidée à faire taire les rumeurs, Charlène de Monaco a prouvé son amour à son mari le prince Albert II ce jeudi 24 juin. Et pour cause, cette date très spéciale était celle de l'anniversaire de mariage du couple, qui fête cette année ses 10 ans d'union. À l'occasion de leurs noces d'étain, Charlène a rendu hommage à son époux sur Instagram, en partageant une vidéo touchante qui retrace la belle histoire d'amour qui l'unit au père de ses jumeaux, Jacques et Gabriella. De leur rencontre lors du tournoi de natation de Monaco en 2000, à leur mariage en 2011, en passant par la naissance de leurs enfants. Tous les moments les plus forts de leur idylle sont condensés dans ce clip d'une minute. Joyeux anniversaire Albert. Merci pour ces bénédictions que sont nos merveilleux enfants, a simplement commenté la princesse en légende. Une publication qui n'est pas passée inaperçue auprès des internautes qui ont été nombreux à adresser leurs vœux de bonheur aux mariés, joyeux anniversaire à vous deux, si touchant et tendre. Longues et heureuses années à votre union, toutes nos félicitations. Peut-on ainsi lire dans les commentaires? Charlène de Monaco et le prince Albert sont-ils toujours ensemble? Ces dernières semaines, l'absence de Charlène de Monaco aux côtés de son mari lors de ses déplacements officiels interrogeait. En effet, ils n'ont pas été aperçus ensemble depuis au moins le mois de janvier. Alors que certains pensaient que le couple battait peut-être de l'aile, selon un communiqué du Palais Royal, ce sont plutôt des petits pépins de santé qui empêchent la princesse d'assurer ses missions, lors d'un voyage sur le continent africain dans le cadre d'une mission de conservation de la faune, la sage princesse Charlène a contracté une infection orale qui ne lui permet pas de voyager à Pantheon.